ma cuvée coup de cœur au domaine Eric Lui pour le moment. Même si je trouve que la cuvée classique est vraiment bien bien réussie, j'ai un petit fait pour cette cuvée-là, nouvelle née dans la collection Eric Lui, la cuvée Les Montachins millésime 2018. Donc Les Montachins, c'est une parcelle, petite parcelle dans Nantard, qui est très escarpée. C'est un des plus beaux terroirs de silex de l'appellation Sancerre, qui a été vinifié donc séparément. Et donc, qui bénéficie de tous les soins d'Eric et de l'équipe. Et donc, cette cuvée est assez riche. On va voir à travers la dégustation. En tout cas, on est ici en présence d'un très grand Sancerre blanc. Donc, vous voyez, au niveau de la robe, on a une belle robe jaune, moyennement soutenue, brillante, avec des beaux reflets verts, viscosité moyenne à légère. Au niveau du nez, on a ce côté minéral, ce côté un peu silex, quoi, hein, le côté pierre à fusil. Donc, le côté silex frappé, mais toujours comme ça au nez, on a ce côté un peu bourgeon de cassis. Donc, la pointe un peu végétale avec une pointe aromatique un peu fruit noir, un peu cassis. Très, très joli. Quand on travaille, on revient sur des arômes qu'on s'attend plus à avoir là, avec des notes de buis, des notes de groseille, des notes un peu pamplemousse, la pomme verte. Donc, c'est un superbe nez de Sancerre. Extraordinaire. Alors en bouche, on a une densité de vin, une richesse, une onctuosité assez extraordinaire. On reste sur un vin sec, avec une acidité présente, mais qu'on sent en fraîche, qu'on sent en vive. Et c'est vraiment pour moi une minéralité, une fraîcheur de terroir. On a une belle persistance au niveau aromatique, sur ce côté pamplemousse, pomme verte. Donc on a vraiment ici un très grand Sancerre. Donc c'est le vin qui va accompagner les beaux crustacés en cuisson, en dégustation froide ou chaude. Avec des sauces un peu agrumes, avec même une petite mayonnaise, avec les huîtres en fin d'année, là c'est formidable aussi. Donc vraiment une grande cuvée de Sancerre à découvrir si vous ne l'avez jamais dégusté. Je pense qu'on est en présence d'une toute belle expression du terroir silex de Sancerre. Bonne dégustation, à bientôt.